Et salut à tous, on se retrouve après ce gros time-lapse, j'espère que vous allez bien. Alors, en tout cas, nous, on s'est bien marré avec 6-4, on a fait cette petite place qui nous permettra de faire un tout petit projet là-dessus, voire même deux ou trois en fait, hein, vu la taille du truc. Alors malheureusement, j'ai dû vous montrer le timelapse avec uniquement l'enregistrement de 6.4 puisque j'ai réglé OBS et tout, j'étais fier de moi, haha, super, ça va donner bien. Et puis ensuite je me suis empressé d'oublier d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Voilà, ça c'est fait. Du coup, le terrain est un peu chaotique par là, parce que ça descend assez fort. Mais c'est pas très grave. On a un petite entrée secrète juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Ok, au revoir, je ne suis pas là, il y a personne. J'ai pas d'armure, cela dit. Pourquoi est-ce que j'ai pas d'armure? Je pense que j'ai dû la laisser en réparation. Hein. Je ne sais pas. Ok, alors le monstre qui était là n'est plus... Ah, c'est peut-être le soleil. Peut-être qu'ils aiment pas le soleil, c'est possible. Enfin bon, là-dessous, donc on a un immense terrain qui va être totalement rempli de lianes ici pas très longtemps, puisque les lianes poussent sous terre, n'est-ce pas? Sous les blocs de terre qui sont en brut. Mais il y aura certainement quelque chose qui sera fait aussi par là, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors du coup, ben, frustré que je suis de ne pas avoir pu vous enregistrer le timelapse qui était prévu, ben, je vais vous enregistrer un nouveau pour la place qui est ici. Donc du coup, c'est un épisode un peu spécial puisque finalement, c'est juste deux timelapses. Et je ne sais pas si on fera grand-chose après. Hein. Je vais être très honnête, ça prend déjà pas mal de temps. Et voilà, je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux, mais je peux peu. Juste aller poser quand même ces quelques petits bouts de déforestation que j'ai pu embarquer. Tac, et c'est parti. Ok, on se retrouve. Alors, du coup, ben, vous constaterez que cet épisode sera un peu plus court que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il est plus court en temps de préparation pour le faire. C'est juste que, ben, concrètement, c'est juste colossal, en fait. La quantité de blocs qui ont été posés aujourd'hui est... tout simplement, je n'ai pas le temps de vous proposer plus. Donc, si jamais, allez voir, peut-être que 6.4 aura un petit sucre pour vous en plus. Je ne sais pas. Voilà. Alors... Maintenant, il y en a certainement qui vont me demander qu'est-ce que c'est que ce GNU. C'est tout simplement que je me suis dit qu'on pouvait faire un temple du GNU. GNU étant le projet qui fonctionne de pair avec le noyau Linux pour faire fonctionner nos ordi. Et bien sûr, c'est un projet de système d'exploitation complètement libre. Voilà. Et puis ensuite, il y a quelques petites références dedans qui sont un peu cachées. Donc vous voyez qu'il y a trois piliers au milieu, c'est simplement les trois principes fondateurs du mouvement, liberté, égalité et fraternité. On les retrouve aussi d'ailleurs juste là derrière. Et évidemment, ça paraphrase un certain truc très connu en France, n'est-ce pas? Et puis à côté de ça, vous voyez aussi ces quatre piliers assez rapprochés, c'est les
quatre libertés fondamentales qui permettent au logiciel d'être libre et qui permettent donc à toute la structure de tenir. Donc ça paraît assez cohérent comme symbolique, n'est-ce pas? Sachant qu'on s'est dit, bah voilà, si on devait faire une église pour ça, comment est-ce qu'on la ferait? C'est moi qui ai réfléchi à la question en fait, mais du coup je me suis dit, voilà, ça c'est ma vision de l'idée, ça veut pas dire que c'est la seule, hein, évidemment. Mais voilà, enfin c'est plutôt pour le fun qu'autre chose, évidemment, je ne juge pas les religions quand je fais ce genre de truc. Voilà. Du coup, nous, on va se laisser là-dessus. Comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour faire plus. Quand même, l'histoire, il y a deux trois petits trucs que je peux vous montrer encore en vitesse, si le jeu le veut bien. Alors, pom 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 pom. C'est tout simplement cette zone-là. J'ai rajouté en fait, on avait déjà les câbles haut voltage qui montaient jusqu'ici, mais rien d'autre, enfin ils servaient à rien. Et maintenant, j'ai rajouté un gros générateur solaire plus un système qui convertit l'énergie en voltage moyen pour la balancer dans le haut voltage, ce qui permet d'alimenter la quarry quand elle fonctionne, tout simplement. Alors en ce moment, elle est désactivée pour des questions de lag parce qu'on était 4 joueurs pour timelapse ce matin. 4 joueurs en. Donc 6, 4 et moi, plus 2 joueurs connectés pour faire les caméras. Et ça consomme énormément de ressources. Le serveur n'arrive pas à tenir, tout simplement. Si on rajoute la quarry là-dessus, qui charge des centaines de blocs en plus. Donc voilà. Du coup, sur ce, je vais vous arrêter là. On va juste quand même reprendre un petit coup cette magnifique vue. Tac. Cette magnifique vue de la caméra, si elle veut bien. Allez, escalier. Voilà, donc ça donne pas trop mal. Faut juste que j'enlève le F9, c'est pour la cinématique. Voilà, juste désactiver la cinématique. Ça vibre un tout petit peu, mais au moins c'est sympa. Puis comme ça, on tourne un peu autour du truc. Alors évidemment, là, quand on voit ça bouge beaucoup, mais il faut imaginer qu'à chaque fois, ça dépend du lag serveur. Et que mon lag serveur est totalement dégueulasse en bon français, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec ma connexion internet, entre autres. À noter que là, il y a un monstre en dessous, je pense que c'est un creeper. Ils n'ont pas arrêté les creepers. Ah ouais, qu'est-ce que je disais? Sale bête. Ils n'arrêtent pas les creepers et ils ont passé 30 points de vie, c'est un peu embêtant. Mais bon, ma foi, on fait avec. Ok, sur ce, je vous dis. À très bientôt pour de nouvelles aventures, en particulier la fin de cette construction et la décoration de la maison. Ciao tout le monde!